Bonjour. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous aujourd'hui? Il fait chaud chez vous? Il fait chaud chez vous parce qu'ici... Ici, c'est l'heure pareil. Ouais. Mon Dieu, on est dans une canicule en ce moment. On est lundi, le 22 juin. Puis depuis 2-3 jours, hein, il fait des 36, ressenti des 38, 40 degrés. On va avoir ressenti 40 degrés aujourd'hui. Aujourd'hui, demain aussi. Pareil, pareil, avec des orages demain, mais c'est pareil. Oui, mais ça change tellement. Il y en a un qui me dit, mon Dieu, vous tombez de quasiment de l'hiver à l'été. Oui, ben oui. Ici, c'est quasiment tout le temps comme ça. Il n'y a pas de entre deux, il n'y a quasiment pas de printemps maintenant. Tu tombes soit qu'il fait froid, soit qu'il fait chaud. C'est ça. Là, il fait chaud. Ah oui, mais moi, je m'en plains pas. On est tous bronzés, hein, trouvez-vous, là? Oui, ben oui. Ah ben lui, ça paraît plus en arrière parce qu'il a fini son four. Oui, ben il fallait finir... son four micro-ondes, au four. Il fallait finir le four à pizza pour hier parce que c'était la fête des pères et puis on avait des invitations, donc on a passé une super belle journée. Bonne fête des papas aussi, parce que chez vous aussi, c'était la fête des papas? C'était hier, mais bonne fête à tous les papas, les grands-papas. Ceux qui ont des enfants, naturellement. Et c'est quoi que je voulais dire par rapport au four? Oui, ben c'est ça, il a fallu travailler fort pour qu'il soit terminé. Hier, on a fait des pizzas, les premières pizzas dans le four. On en a fait... On en a fait... Non, plus que 10. Hein? 12, on a fait 12. 12 pizzas. On avait... Ceux qui ont peint notre toit, on leur en a fait 2. Malheureusement, ils ne sont pas venus chercher. Ben, fait que si vous voulez, on a des pizzas pour vous, si vous voulez. All dress. En France, on ne sait pas ce que ça veut dire, all dress. Hein? Non, c'est pepperoni. Tout garni, mais c'est ça. Garni, pepperoni, de la viande froide, là. Pepperoni, oignon, champignon, piment. Poivron. Oui. Et alors, pepperoni, ça aussi, en France, il n'y en a pas vraiment dans les pizzas. Non, ah, mais c'est en France, bon. On fait plutôt une jambon fromage, quatre fromages, roquefort. On a fait chèvre et miel. On a fait chèvre et miel, on a fait aux anchois aussi. La pâte mince, la sauce maison, tout ça, c'était vraiment bon. La première était très belle, elle était toute brûlée. Non, elle était... calcinée, là. Non, elle n'était pas brûlée, elle était un peu foncée. Mais je l'ai jetée. C'est parce que... Tu l'as jetée, la première? Ben oui. Je connais pas le four encore, alors il était un peu trop chaud. Ah ouais. Hein? Mais pourtant, je te l'ai présenté hier. J'ai dit le four, voici René, René aussi le four. Ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. La sole était trop chaude, il a fallu que... Bon, la première pizza, elle était carbonisée un peu par en dessous. Il a fallu que je refroidisse avec un petit peu de l'eau dedans. Oh, il faisait chaud, mon Dieu, on était là. Moi, là, je fournis les pizzas, j'ai rempli. Elle est garnie. Elle est garnie, lui. Ah, mais il faisait chaud, on était au soleil. On était au soleil, On a fait aussi une pizza pour nos voisins. Il était tellement content, là. Oui. Mais là, savez-vous quoi? Avec ça, là, tous les samedis du mois de juillet, il est plein. Oui, c'est ça, on a des invitations. Amis, oui, beaucoup, des amis, de la parenté. Puis, à où, comment? Je ne te l'ai pas dit, là, mais il y en a d'autres qui sont invités. Le mois d'août, ben, si vous voulez avoir du monde chez vous, faites un four à pizza puis une piscine. Ça prend les deux, puis là, vous allez être rempli tout le temps, il y aura toujours du monde. Ah, ben, si vous venez ici au Canada, je ne sais pas, dans le mois d'août, ben, venez en manger de la pizza. Oui, c'est ça. Oui, dites-le nous, puis on... Alors, passez-nous les commandes, là, dans l'espace de commentaires, sous la vidéo, marquez vos saveurs préférées. On va les tester avant. On va les goûter. Et avec ça, on a fait des belles photos. Fait qu'on les met tout de suite maintenant. On met les photos. Oui. C'est bon. On met les photos là maintenant de quand on faisait la pizza. De la fête des pères, là. On va mettre ça. Là, puis ils sont tapés de sang. Puis pas écapés de sang, ils sont très bonnes. Avec une petite musique, les photos? Ah ben oui, pourquoi pas. Hawaïenne? Hawaïenne, non. Mais non, pizza. C'est pizza? Italienne. Ah, italienne. Ben, alors on va faire ça. Photos et musique italienne tout de suite. Et chin-chin, ça c'est du... Mais chin-chin, chérie. C'est du whisky? Non! Ah, non. C'est du thé glacé. Thé glacé, c'est vraiment chaud. Alors, nous revoilà. J'espère que les photos vous ont plu et la petite musique aussi. Et
On fait tout ça avant, mais la musique, il faut que je la mette après. Hein. Ah, faut que je la trouve. Hein. Ah, oui. Mais là, vous l'avez certainement entendu si je l'ai trouvé. Ouais. Donc voilà, maintenant, on va répondre aux questions techniques. On va rester un petit peu plus sérieux. Là, on va passer au travail. Là. C'est, ça, c'est du travail. Ah, ouais, ouais, ouais. On va répondre à vos questions. OK. Les questions qu'il y a eu ces jours-ci, quoi, c'est finalement. Ça. La semaine passée, surtout. On s'excuse, on n'était pas le vendredi, comme vendredi. Je vous ai dit, mais il faisait tellement chaud, puis on a eu aussi des imprévus. Des imprévus vendredi, plein. L'ordinateur encore avec notre... Outlook sur les deux ordinateurs est tombé en panne, ça vient d'être réglé ce matin. La serrure de la porte, serrure électronique, elle est tombée en panne, et la pompe de la piscine aussi. Il a fallu changer la pompe de la piscine, elle pompait plus. On a couru vendredi, pour ça on s'excuse même. Bon, vous l'avez bien dit. La serrure, c'est pas réglé encore. L'autre outlook, c'est réglé. La pompe, c'est réglé. Mais c'est ça. Et les imprévus, ça nous arrive, ça nous tombe dessus des fois. Mais, trois dans la même journée. Oui, mais vous savez que quand on sera là, vous serez encore plus content. Puis on peut vous faire des surprises. On peut être là aujourd'hui, demain, mercredi. On ne sait pas. Hein? On ne le sait pas. On ne sait pas. On est là quand on peut. C'est ça. Élisabeth Claire, elle demande, ma fille m'a offert des pigments. Comment s'en servir? Ah ben lolo. Eh ben lolo. Des pigments, ben oui, ben des pigments. Ben c'est ça, j'ai fait un cours là, justement, il est sorti dans la formation en ligne il n'y a vraiment pas longtemps là. Comment s'en servir? Ben, il faudrait que j'explique tout ça pendant 2 heures. Les pigments, c'est, il y a bien des façons de l'utiliser. On peut faire de la peinture à l'huile, on peut faire de la peinture acrylique, on peut faire de l'aquarelle, on peut faire de la gouache avec ça. Je l'ai montré, donc j'ai fait un cours en vidéo où je montre comment réaliser son aquarelle, comment réaliser sa peinture à l'huile et sa peinture acrylique avec des pigments. Alors c'est sûr, il faut les mélanger au médium qui va être utilisé pour faire cette peinture là. C'est la seule façon vraiment, je pense, pour utiliser des pigments. On peut même faire du pastel sec si on veut avec. Il faut avoir les bons médiums, c'est à dire pour le faire à peinture à l'huile, ça prend de l'huile tout simplement avec le pigment. La peinture acrylique, ça va prendre un médium acrylique polymère qu'on va mélanger au pigment. Pour l'aquarelle, on va mélanger de la gomme arabique. Pour la gouache, il faut mélanger la gomme arabique et de la craie ou du talc. Je pense que ça marche aussi avec du talc. Ça, je ne l'ai pas fait encore. Et comme ça, on peut réaliser nos peintures nous-mêmes, mais ça prend du temps. Il faut vraiment broyer ça. Puis après, une fois que c'est fait, il faut la conserver. Si vous fabriquez de l'acrylique, soit on l'utilise tout de suite, soit il faut la conserver. Donc, vous pouvez acheter des tubes vides. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit, justement, aujourd'hui même, ce matin, je l'ai vu dans les courriels, ou hier peut-être, une personne, je ne sais plus qui c'est, qui a trouvé des tubes vides au Géant des Beaux-Arts. Vous pouvez les commander là pour remplir les tubes avec votre peinture que vous avez fait vous-même. Et les tubes vides, ça peut être utilisé aussi pour récupérer des peintures sur votre palette. Admettons, j'ai connu un artiste peintre qui, après chaque session de peinture, il peignait à l'huile. Mettons, il peignait dehors sur le motif, faisait un tableau de paysage et à la fin, il restait plein de couleurs sur sa palette. Et bien, il ramassait tout ça, il faisait un gros mélange avec tout ça. Puis ça lui donnait un gris, des fois c'était plus kaki, plus verdâtre. Et cette couleur-là, il la mettait dans un tube. Il refermait le tube et puis il marquait dessus avec un petit coup de pinceau la couleur. Il faisait apparaître la couleur qu'il avait mis dans le tube et ça lui permettait d'avoir différents gris qui lui servaient plus tard dans ses peintures ou simplement pour faire un fond de toile, faire un lavis, quelque chose qui va être caché par après. Mais déjà, il aura récupéré cette peinture-là, il aura réutilisé. Donc, il y a économie et écologie, les deux. C'est intéressant, hein? Mm-hmm. OK, on continue avec Philippe Ribes. Peut-on peindre et finir à l'huile sur un tableau commencé à l'acrylique? Oui, bien sûr, oui. On peut faire de l'huile sur de l'acrylique, mais pas l'inverse. C'est ça. Alors oui, même, moi-même je le fais souvent, faire ma couche de fond à l'acrylique pour peindre à l'huile dessus. Ça m'est même déjà arrivé de faire mon fond, ma première couche à l'acrylique et ma deuxième couche à l'huile aussi, pourquoi pas. On va gagner du temps parce que le séchage est rapide. Mais oui. Claire Leroux, elle dit, on m'a conseillé le White Spirit et on ne m'a pas parlé d'économie. Je croyais que c'était l'idéal avec l'huile pour le maigre. Ben, on en a déjà parlé, on en a déjà dit, le White Spirit c'est un produit pour le bricolage, c'est pas vraiment un produit pour les artistes, alors utilisez plutôt un diluant à peinture, le Frambourgeois, PBO, ce que vous voulez, ça sera mieux que le White Spirit, ça c'est certain. À la limite le White Spirit pour nettoyer les pinceaux, mais ne le mélangez pas à la peinture pour faire vos premières couches. Oui, c'est bon pour le gras sur maigre, puisque ça permet de faire les premières couches, attention. La première couche, vous diluez avec un diluant,
La deuxième couche avec un mélange de diluant et d'huile de lin. La troisième couche avec de l'huile de lin pure. Vous avez fait du gras sur maigre parce que vos couches sont de plus en plus grasses. C'est ça le gras sur maigre. Maintenant, si vous prenez du white spirit au lieu de prendre du diluant à peinture le frambourgeois, vous risquez d'avoir une peinture qui sera, on va dire, moins vivante, moins vive. Les couleurs vont être ternies par ce produit-là. Vos pinceaux vont être peut-être même abîmés par ce produit-là, qui n'est pas vraiment fait pour les artistes. C'est peut-être un petit peu trop agressif. Ok, on continue avec Florence Fortefeur, excusez. Après les tomates en acrylique, quel est le prochain sujet de pas à pas et avec quel médium? Alors là, on parle d'un pas à pas qu'on a fait dans YouTube. Attention, moi je fais des pas à pas toutes les semaines. J'en fais toutes les semaines des pas à pas pour la formation en ligne. D'ailleurs, ce matin, est sorti le nouveau cours Une rue la nuit en peinture à l'huile, donc c'est un paysage nocturne. Donc moi je continue d'en faire, j'en fais beaucoup, j'en fais toutes les semaines. C'est pour ça, on a fait ça pendant le confinement. C'était pour YouTube, pour les confiner on va dire, mais là maintenant il faut que j'applique mon temps sur la formation en ligne. C'est donc sûr. Des pas à pas dans YouTube, peut-être il y en aura un, on pourrait faire un petit cadeau pour les 50 000 abonnés. Hein, pourquoi pas hein? On est rendu à 44 000 là. Ah oui? Ok. Ouais. Quand on a 50 000, là, croyez-moi, ils vont en faire un. On va vous faire un beau cadeau, ce sera un pas à pas pour YouTube. Voilà. Oui, on ne dit pas c'est quoi, là, c'est une surprise. On verra. Ok. Elle continue, elle dit, quand il y a des corrections, obligation de faire un opaque blanc, puis on refait des glacis par-dessus, point d'interrogation. Doit-on faire sur la correction opaque autant de couches de glacis que dans les autres parties du tableau pour attraper l'effet miroir et l'épaisseur glacée? Moi, je vous dirais, dans un sens, oui, peut-être. Ça va dépendre de l'aspect. Qu'est-ce que vous obtenez comme aspect? C'est sûr que si je fais un tableau au glacis, des trempes, hein, en opacité, noir et blanc, puis après, je fais mes couleurs en glacis, je vais avoir un certain aspect dans le tableau. Si à un endroit, je fais une correction, je remets du blanc pour supprimer ce qu'il y avait afin de revenir faire autre chose dessus. Et que je travaille donc avec mon noir et blanc, je refais ma correction et puis je commence à mettre une, deux, trois couches de glacis et je vois qu'il y a vraiment une différence avec le reste du tableau. Il va falloir que je continue à mettre des couches de glacis à cet endroit-là pour que ça apparaisse plus, qu'il n'y ait plus cette différence visible. Mais il y a un raccourci peut-être qui va nous faire gagner du temps, ça serait de ne pas peindre le noir et blanc. Pourquoi ne pas commencer déjà à faire la correction avec de la couleur à ce moment-là, en opacité? C'est-à-dire qu'en opacité, vous allez déjà essayer d'appliquer les couleurs qu'on voit sur les parties proches de cette correction-là, pour essayer de vraiment camoufler la correction, déjà. Après ça, une fois que c'est fait, vous allez voir l'aspect, vous dites, bon, ben, peut-être que c'est un petit peu différent, on voit la différence un peu trop, je vais rajouter quelques couches de glacis sur cette partie corrigée avant de reprendre l'ensemble du tableau. Moi, c'est comme ça que je procéderais si j'avais vraiment une grosse correction à réaliser sur un tableau qui travaillait dans le glacis. Maintenant, n'oublions pas que le glacis est un travail, on va dire, à long terme avec de nombreuses couches et qui nous permettent aussi d'apporter petit à petit des corrections. C'est-à-dire que si à un endroit j'ai trop foncé, il va falloir que j'éclaircisse. Donc, oui, on peut mettre du blanc, c'est opaque, et ensuite de remettre des couches de glacis, c'est une façon de faire, mais pourquoi pas continuer à cet endroit-là à mettre des blancs en transparence, des blancs légèrement colorés, dans la couleur qu'on souhaite, en mettant du blanc de zinc, c'est transparent, légèrement coloré, et de l'additionner couche après couche, il va venir s'éclaircir petit à petit, tout en respectant la technique qui est dans le tableau. Vous voyez, donc il y a plusieurs façons de procéder, tout est possible, mais donc parmi tout ça, il faut utiliser la méthode qui va nous permettre d'apporter le mieux la correction, tout en gagnant le plus de temps possible quand même. Mm-hmm. Sa dernière question à Florence, elle dit, question, avez-vous un cours sur la transparence pour peindre des verres pleins, vides, des bouteilles transparentes? Oui, ben c'est ça, dans la formation, ben, je pense que Florence est inscrite, vous êtes inscrite à la formation, il me semble, là, ben, c'est tout récent. Ça s'est fait aujourd'hui ou hier, je pense. Mm-hmm. Ou non, il y a un mois, mais là, c'était à la fin des 30 jours gratuits. Vous avez eu... Oui, c'est ça. Vous avez... dans la formation, il y a un outil de recherche, une petite loupe qui se trouve en haut à gauche, à côté de votre avatar. Vous cliquez sur la loupe et là, vous allez rentrer transparence, par exemple, le mot transparence. Vous allez trouver les cours qui en parlent. Mm-hmm. Vous allez marquer vert, par exemple, un vert.
Vous allez trouver aussi, parce qu'il y a, oui, un verre d'eau, il y en a un dans la formation, il y a certainement d'autres parties aussi. Je me rappelle, on avait fait ça, ça nous élève, hein? Oui. Sur le verre avec une cuillère, là, moi je l'avais ça, fait. Ça, c'était dans le dessin. Oui, c'était oui. Dans le ah dessin. Oui, oui, c'est vrai. Ben, mais là, il n'est pas dans le dessin, c'est vraiment en peinture que je l'ai fait, oui, oui. Mais on répète un petit peu encore, tu sais, que quand le monde il dit, vous vous inscrivez, 30 jours après, le paiement commence. S'il vous plaît, hein, si vous ne voulez pas continuer, vous ne voulez pas que le paiement soit pris tout de suite après le 30 jours, il faut vraiment, vraiment annuler oui. votre formation. Il faut annuler l'abonnement. Sinon, malheureusement, ce n'est pas nous le système. Oui, oui, parce que des fois, on reçoit des messages du genre « Oui, je me suis inscrit à un cours gratuit, puis… » Et pourquoi vous prenez mon pourquoi argent? Pourquoi vous avez pris l'argent? Vous m'avez prélevé 19$, par exemple. Ouais. Il y en a une que... qui était vraiment choquée de prendre mon 19$, j'ai dit « Wow! » Pas grave, ben, c'est pas grave, si vous êtes aperçu trop tard, vous dites « Ah ben zut, ils m'ont prélevé 19$ alors que je voulais arrêter juste avant là. » On vous le rembourse. Ouais, vous nous envoyez un message, on ferme votre abonnement parce que vous ne l'aviez pas fait, vous avez oublié de le faire ou autre. Ouais. On va le faire puis on vous rembourse l'argent, il n'y a pas de problème. C'est là, vraiment faut... important, ben non, c'est sûr. Il ne faut pas se mettre en colère, ben voyons non, ça ne sert à rien. Il y en a qui pensent qu'on va leur voler. Il y en a qui écrivent ça en gros et en rouge aussi. Là. Non, non, non. Ah oui, vraiment gros caractère, il y en a une. Qui était vraiment, vraiment, j'aurais même écrit 2-3 fois pour 19. Je suis correct. Mais jamais qu'on va prendre votre argent sans votre permission. Ne paniquez pas. C'est ça. C'est sûr qu'on ne vous répondra peut-être pas dans la minute, ni dans l'heure, non. Peut-être dans 24 heures. Il ne faut pas oublier qu'on a quand même un décalage aussi. On n'est que deux, on fait tout à deux. Ouais. Et si en plus de ça, c'est le week-end, si en plus de ça, on est parti, on n'est pas à la maison, on n'est pas devant l'ordinateur. Ouais. Soyez patient. Et si en plus de ça, on a comme on a là un problème Outlook sur les deux ordinateurs en même temps, là, on va passer vraiment pour des escrocs. C'est ça, il y en a un, hein, tantôt, je pense qu'il y a... Il a fait 130 jours, puis tout de suite, il y a eu un paiement. Ben lui, il s'avait inscrit pour l'année en premium. Ben, tout d'un coup, l'année en premium, c'est combien? 500? C'est 490 pour une 490 année. 490 a été pris. Il était comme choqué. Ben oui, mais on vous le remet. Oui, c'est ça. Je veux dire, si vous avez l'intention de vous inscrire juste pour la période de 30 jours, c'est correct. De gratuité. La période gratuite, là, il vaut mieux, si vous n'avez pas l'intention de continuer, ne prenez pas un abonnement annuel, prenez l'abonnement mensuel. Vous avez pareil, votre période, elle est la même. C'est que si jamais il passe un paiement à la fin, ça sera un paiement que d'un mois. On va vous rembourser ce montant si vous ne vouliez pas continuer, que c'est passé quand même. Mais si vous prenez une annuelle, ben vous allez avoir un paiement pour une année qui va rentrer là. Ouais. Donc, il vaut mieux prendre le mensuel si vous n'aviez pas l'intention de continuer. Maintenant, si vous ne savez pas si vous allez continuer ou non, ça peut changer. Prenez quand même le mensuel. Puis ça peut changer. Et après ça, vous dites, bon, ben, j'ai fait ma période gratuite. Là, on m'a prélevé à un mois, j'ai fait mon mois payant, ça me plaît tellement bien, j'aime beaucoup ça, j'aimerais ça m'inscrire à l'année, ben, un petit message et on vous transfère dans un forfait annuel sans aucun problème et puis voilà. Donc il vaut mieux comme ça prévoir moins pire. On n'est pas Bonnie and Clyde. Hein? Non, ben, pas encore, ça va venir. On ne prend pas ça. Ok, on va continuer avec... On vous offre même des pizzas, écoute. Ben oui, oui. Ben oui, non, je sais que... Tout le monde est... On boit à votre santé. Le monde nous aime beaucoup, puis vous savez qu'on est des personnes à même. OK. Georgette Danedei. OK. OK. Elle parle du Blurex qu'on a parlé la semaine passée. Oui, oui. On a une question sur le Blurex. Oui, moi, j'ai dit, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Alors, j'ai ça. Attends. Elle nous donne la réponse. Oui. Elle dit, le Blurex, c'est sans doute une couleur de bleu proposée par les fabricants, également sous le nom de bleu royal. Voilà. Est-ce que vous nous montrerez... Oh non, ça c'est une autre question. La Joconde, on parle de la Joconde. Mais on va parler en premier du Blurex. Moi, j'ai été fouillée sur l'ordinateur. OK, tu peux regarder ça ici. C'est ça, c'est chez Le Frambourgeois, 40 millilitres Blurex. Elle dit que c'est un mélange de bleu cobalt et de blanc, c'est ça? Oui. Les pigments. Je peux t'en parler encore avec Nadine. Nadine aussi, on a oui, parlé. Oui, Nadine, elle dit, pour faire gagner du temps à René et aider Christian dans la vidéo du 16 juin. C'est précis, hein? C'est pour Christian. À propos du Blurex, c'est Royal Blue. Okay. Royal Blue, j'en Blue ai Royal. Oui, c'est ça comme on a dit. J'ai un vieux tube inutilisé, oublié. Oublié, excusez. Le Franc-Ville... Oublié. Oui, oublié. Oubliez ce qu'elle a dit. Oubliez ce que j'ai dit. Le Franc-Ville Extra Fine Série 3.
PB28PW6, c'est donc cobalt plus blanc de titane. Oui. Très facile à réaliser soi-même. Merci à vous. C'est Nadine qui nous a aidé là-dessus. Mais c'est assez courant. donc, vous savez, on connaît les couleurs un petit peu. Quand on peint depuis un certain temps, on va connaître le nom des pigments. Et ils ne sont pas si nombreux que ça. Et qu'après ça, on va se retrouver avec des noms de couleurs comme là, le bleu royal, c'est ça, bleu rex. Oui, c'est ça. Il existe aussi le bleu royal, il y a des bleus ciel. Puis je pense qu'ils l'ont aussi sur à l'acrylique. Non, c'est à l'huile. C'est à l'huile. C'est à l'huile. Des noms que, de suite, on se dit, comme quand on m'a dit bleu rex, je me suis dit, c'est sûrement pas le nom d'un pigment, donc c'est un mélange de pigments. Et à ce moment-là, ben, vous allez pouvoir trouver... Surtout en acrylique, il y a des noms de couleurs de fou, là, il y en a énormément. Mais ce sont des mélanges de pigments qu'on connaît. Le nombre de pigments est assez limité. Donc, il suffit de prendre ces tubes-là, regarder ou sur Internet, voir leur composition. Comme là, c'est un PW6 et un PB29. On comprend de suite que ce sont des pigments très connus, bleu cobalt, blanc de titane. T'sais, souvent, vous allez voir des couleurs, toutes sortes de couleurs. Puis vous allez voir un PB23... le PW6, on le trouve souvent. C'est pas dispendieux, c'est seulement 9,85 euros. Bon, mais alors c'est parce que, voilà, si c'est 9,85 pour un tube 40 ml, ouais, c'est sûrement que le bleu cobalt qu'il y a dedans, ce n'est pas du pigment de vrai bleu cobalt. Mm-hmm. Parce que le cobalt, il est cancérigène aussi. Donc c'est certainement, il y aurait une indication sur le tube en disant attention, c'est cancérigène. Ça serait certainement un mélange aussi de couleurs pour faire le cobalt. Pour celui-là, oh, attention, ouais, parce que le bleu rex qu'elle a, elle... Celui-là, non. C'est le même, ça? Non. Qu'elle le parle, qu'elle a récupéré, là. Celui-là. C'est Nadine, c'est ça? Oui. Le bleu, qu'elle marque le PB28, c'est certainement le vrai cobalt qui, lui, est cancérigène. Et un PW6, voilà, certainement. Cobalt plus titane. Parce que sinon, il aurait marqué, admettons, le cobalt, il aurait été imité. Si vous prenez un bleu cobalt imité, vous allez peut-être avoir... un PB15 2.3, puis PB, c'est quoi, 26, je sais plus. Peut-être un mélange de phtalo et d'outre-mer. Et vous allez pouvoir avoir une espèce de cobalt, là, mais ça ne sera pas le vrai cobalt qui est cancérigène, c'est un mélange de deux pigments qui sont non cancérigènes, vous voyez. Et ces pigments-là donc coûtent moins cher que les pigments qui sont réels. Le cobalt, c'est un pigment assez cher, comme le... Les cadmiums. Les cadmiums aussi sont cancérigènes et chers. Donc, de plus en plus, dans les compagnies de peinture vont les imiter avec d'autres mélanges, d'autres pigments. Mais voilà, donc il peut y avoir toutes sortes de noms de couleurs fous et bizarres, mais les pigments sont peu nombreux et donc on reconnaît comme, avec l'habitude, on reconnaît les couleurs comme ça. Ok, on a Sylvie, elle a une question. Peut-on faire du réalisme avec l'aquarelle? Oui. Ah oui! Ben oui! Ben oui! Justement, j'adore l'aquarelle aussi. Dans YouTube, moi, je suis abonné à la chaîne d'un japonais, je ne me rappelle plus son nom. Je me suis abonné parce que simplement, par curiosité, j'aime le voir peindre. J'aime ça. Il fait ça très rapidement et il nous sort des portraits en aquarelle extrêmement réalistes, puis assez rapidement. Puis ce n'est pas une vidéo accélérée. Hein. Ce n'est pas une vidéo accélérée. Mais vous savez, l'aquarelle nécessite qu'on peigne pas trop. Il faut y aller avec une petite quantité de coups de pinceau si on veut conserver la luminosité et les couleurs vives. Parce qu'on peut pas reprendre ton erreur. Ben, mais malgré que si tu mets trop de foncé, tu peux rajouter de l'eau. Mais quand même, quelqu'un comme lui, là, on voit qu'il a une extrême habitude de l'aquarelle. Là, il va comme ça, un coup de pinceau, là, il te sort un portrait très très réaliste. C'est vraiment très très beau. Mais attention, c'est le médium le plus difficile qui demande la plus grande maîtrise, je dirais. On n'a pas tellement droit à l'erreur. Quand on peint à l'aquarelle, il faut peindre sans revenir en arrière. Il ne faut pas corriger, il ne faut pas... Faut que tu sois sûr de toi dans exactement, un sens. Ouais. Comme moi, une fois à l'atelier, je m'ennuyais, puis je me suis mis dans le bureau, puis j'ai peint un Saint-Bernard, un chien, je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Je pense que je l'ai peint en 20 minutes. Mais je vous le montre, là. Regardez, on va mettre la photo, là. On met la photo là? Oui. On met la photo. On met la photo. Puis vous le trouvez beau? Hein? Ben oui, il est beau parce qu'il a été fait sans hésitation. Sans hésitation, ouais, sans peur. Elle a fait ça pour se. Me calmer parce que j'avais mal à la tête. Se désennuyer un petit peu. Donc ouais, elle n'a pas fait ça dans le but de dire tiens, je vais faire un tableau puis je veux qu'il soit beau parce que je vais l'accrocher au mur. Non. Non.
comme un brouillon, comme un brouillon, puis il est sorti beau comme ça parce que ça a été fait sans attente. C'est ça, puis quand je l'ai fait, là, j'ai mis en principe, qu'est-ce que René dit tout le temps, de faire les tâches que tu vois. Oui. Et non, ou l'observation, et non, dire, bon, ben, je fais les yeux, je fais ça. Puis à la minute même que je composais, ben, ça fait ça. Surtout l'aquarelle. L'aquarelle, c'est fait de tâches. Hein. Il faut vraiment voir les tâches foncées, on les pose. Les tâches pâles, on les évite. Hein? Les pâles, on les évite, on les peint pas, on peint les foncées, puis il va apparaître le tableau comme ça, sans penser que ce qu'on fait, c'est ça, c'est un œil, une bouche. Moi, je trouve que c'est tellement... Mon Dieu, c'est doux. Moi, je sais pas comment dire ça. C'est un médium qui est calmant, c'est tranquille. Qui est pas stressant. C'est tranquille, c'est ça, oui. On peint peu et lentement parce qu'il faut attendre. Si ça fait pas, ben tu mets toute l'eau, là, puis tu agites, tu recommences. C'est ça. Mets aux poubelles. C'est une feuille de papier. OK, on continue avec Claire Leroux. La question est, je suis à peindre un camion 91 cm par 122 cm. Est-ce que c'est le bon de faire technique sur glacis? Si oui, est-ce que je peux utiliser le glacis pour le camion et le fond autrement? Oh là, 91 par 122, c'est un grand tableau, ça. Oui, elle nous avait écrit aussi sur un message, mais elle dit qu'elle aime mieux qu'on réponde comme ça. Là. Est-ce que c'est bon de faire la technique du glacis? Ben, la technique du glacis, oui, ça peut très bien se faire pour ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas obligé de le faire non plus, hein. C'est à vous de voir le résultat que vous souhaitez. Oublie pas, elle veut faire le fond autrement. Elle veut faire un technique glacis, puis le fond autrement. Bon, regardez. Prenons l'exemple de la Joconde. Léonard de Vinci, il a fait la Joconde, il a fait tout le portrait au complet, avec ses techniques de glacis, de sfumato, tout ça lentement. Et le paysage, il l'aurait fait après. Et il l'aurait fait sans utiliser vraiment la technique du glacis pour le paysage. Donc oui, c'est faisable, absolument. Et vous allez avoir vraiment... une différence visible entre le camion qui est fait au glacis et le fond qui est fait de manière traditionnelle. On va voir la différence. Mais oui, c'est faisable, pourquoi pas. Ça va détacher un peu le camion du fond, pourquoi pas, oui. Tu parlais de la Joconde, parce que Georgette, elle disait, tu vas-tu la montrer la Joconde? Vous l'avez vue, hein? La semaine passée, vous l'avez vue. La Joconde? Ben oui. Je l'ai montrée la semaine passée, oui. Ben, pas ici, tu l'as montrée, tu avais une vidéo. Dans la formation? Non, dans la formation. Ah, je l'ai mise derrière moi, Mercredi. Je m'en rappelle pas. Ah oui, mercredi, ben oui, c'est vrai, parce que je parlais de peindre... reproduire l'étoile des grands-mères. Puis tout le monde vous demandait la Joconde, mais sûrement elle n'est pas finie. Non, mais elle n'est pas finie. Je vous la montrerai quand elle sera terminée. Mais là, ce qu'on voyait, c'était peut-être pas la Joconde en entier, je pense. Je ne sais plus. Je ne sais pas. Puis elle demande est-ce que tu te confronts avec une copie, une difficulté de copier? Est-ce que c'est difficile? Non, pas du tout. C'est pas difficile du tout. Il faut être patient parce que c'est long pour faire cette technique-là. Mm-hmm. C'est juste long. Dans le cas de la Joconde, c'est un portrait, donc il ne faut pas modifier les traits du visage. Dans le but d'obtenir la perfection dans la représentation, j'ai fait un décalcage au début du visage. Je ne l'ai pas dessiné à main levée, je n'ai pas fait un cadrage, j'ai décalqué le dessin. Bon, le dessin, il est là à la base. Après ça, pendant toute la succession de couches qui commencent par des semi-opaques, c'est jamais opaque, semi-opaque, pour continuer à avoir le dessin à travers. Tout le temps, mon souci, c'est de ne pas modifier le dessin. C'est ça, le plus important, c'est ça. Apporter des couleurs, des valeurs, mais ne pas modifier le dessin. Sinon, on ne la reconnaîtra plus. C'est très, très important. Et donc, petit à petit, je fais que colorer, teinter ce qui est visible sur la toile. Je rajoute un peu plus foncé ici, un peu plus pâle là, un peu plus rouge ici, un peu plus jaune là. C'est juste ça que je fais petit à petit, mais c'est très long parce que c'est des couches de glacis à n'en plus finir. Et voilà, ben là, je vous dirais, à un moment donné, elle était comme, je dirais, pratiquement la Joconde, on va dire, terminée comme elle aurait été faite à cette époque-là. Mais comme elle a vieilli depuis 5 siècles, moi, je veux obtenir un résultat comme on la voit maintenant au Louvre. C'est-à-dire, avec des craques, je ne ferai pas les craquelures, je ne ferai pas les écaillements de peinture, mais je vais faire la couleur, c'est-à-dire qu'elle a jauni. Et je veux apporter ce jaunissement sur la toile de manière à ce que, bon, ben, si elle est accrochée au mur dans mon salon, quelqu'un qui vient chez nous, là, il va dire, c'est une belle reproduction de la Joconde, parce qu'il la connaît comme ça. Mais si je l'avais faite
comme Léonard de Vinci l'a fait avant qu'elle ait ses 5 siècles de jaunissement. Elle va être trop belle, elle va être trop vive, les couleurs seront trop fortes, il n'y aura pas cet aspect vieillot, il ne sera pas là. Donc c'est ça, je travaille là-dessus maintenant, je suis sur le vieillissement, le jaunissement, parce que je ne suis pas encore assez jaune dans mes couleurs, donc je vais continuer à la jaunir un petit peu. Tu sais, parce que quand on regarde sur Internet, on trouve des études qui ont été faites, ils nous disent, bon, mais il a utilisé du rouge vermillon sur certaines parties du visage et des mains. Et on met du rouge vermillon, mais regardez la Joconde, la photo de la Joconde sur Internet, on ne le voit pas, ce rouge, ce rosé, il n'est plus là. Il a disparu, donc c'est là où je travaille sur la, refaire disparaître ce que j'ai mis avant, finalement. Eh bien, c'est plate quand même. Hein? Avoir la Joconde chez nous, là, oh, sais-tu pourquoi? Pourquoi? Ben, il faut que tu aies un gardien de sécurité devant chez nous. Ah ouais, ben, c'est ça. Pourquoi ça faire voler? OK, on continue avec Nordine. Je voulais savoir si c'est normal qu'avec l'acrylique au couteau, même avec du retardateur en travaillant, il m'est impossible de peindre sans voir des traces de couteau. Ce n'est pas joli. T'aurais-tu un conseil? Oui, ben si je peins au couteau, moi c'est pour qu'on voie mes traces de couteau. Mm-hmm. C'est en fait le but de peindre au couteau, c'est d'avoir des épaisseurs, des coups de couteau qui vont se voir. Sinon, il vaut mieux prendre un pinceau. Si vous voulez éviter les traces de couteau, il faut... C'est ça la beauté quand, ben oui, quand tu peins au couteau. Là. Oui. Moi, je me rappelle, hein, j'ai fait mon guitariste. Là. Oui, oui, oui. Je trouve ça super beau. On fait des tâches, vraiment. Ça dépend comment est-ce que vous faites. Si vous faites avec un coup là, puis un coup là, tu sais. Si le but. Des petits coups. OK. Peut-être que. Parce qu'on n'a peut-être pas toutes les informations dans la question. Admettons, vous faites un ciel bleu dégradé et que vous voudriez qu'il soit plus dégradé, plus lisse et plus uni. Pour réaliser ça avec un couteau, il faudrait mettre, admettons, une touche de couteau, par exemple, d'un bleu un petit peu foncé. Tout de suite, immédiatement, vous mettez un petit peu de plus pâle en dessous, puis vous mélangez les deux pour que les deux soient fondus. Autant vont se fondre les touches que la couleur. Mais comme on est à l'acrylique, vous allez le faire sur une petite surface comme ça. Vous allez venir à côté remettre une autre touche, même si vous avez mis du retardateur ou autre, ça a commencé à sécher et cette nouvelle touche va se détacher sur la précédente. On n'y peut rien, à l'acrylique c'est comme ça. Sinon, il faudrait faire, si on veut faire un fondu, un dégradé à l'acrylique sur une grande surface, il faut prendre un pinceau qui est large comme ça, là, mettre beaucoup de peinture, puis travailler très rapidement. On se donne pas plus que 3-4 minutes pour faire le ciel au complet. Et là, vous allez avoir un ciel qui sera uni et lisse. Mais au couteau, ben, il faudrait une grosse spatule, en mettre épais de peinture, vraiment épais. Tout est question de temps de séchage. Plus vous mettez beaucoup de peinture, plus le séchage va être là. Et là, ça va vous permettre de dégrader, de faire des fondus, jouer avec vos touches sur la toile avant qu'elle ne sèche. Mais quand c'est sec, c'est sec. Et dès qu'on revient dessus avec autre chose, c'est fini, ça va se voir, il y aura des traces. C'est une chose, c'est pas du gin. Je serais seul, là. Je fais une bord depuis tantôt, hey. J'ai soif. Mais on me dit que je ressemble à Robocop, Serge Stallone. Ça, c'est probablement à cause de ma hanche. Mes lunettes. L'hanche, ah, plus. Ah, ben, moi, Robocop. Ah ouais, l'hanche. Il dit bonjour à tous les deux, et notamment à Robocop Linda. Oui. Merci. J'ai pas mon pistolet, là. Ah, vous écoutez ça aussi? Ah, c'est vieux, ça, c'est vieux. Ben oui. On a eu. Oui. OK. Il dit, j'ai acheté plusieurs formations. Celles-ci sont-elles complétées au fur et à mesure ou faut-il racheter une formation complémentaire? Non, mais ça dépend de... Qu'est-ce qu'il y a acheté? Oui, ça dépend. Bon, ben, c'est le cours de couleur, il va être complété. On rajoute des cours dedans, le cours de dessin aussi. Par exemple, le cours de peinture à l'huile pour débutants, lui, il est complet. Le cours de peinture acrylique débutant est complet. Par contre, il y aura plus tard, je vais faire un autre cours qui s'appellera... cours de peinture à l'huile avancée, cours de peinture acrylique avancée, c'est pour avoir un complément pour progresser. Mais il y a d'autres cours qui vont sortir, mais qui seront différents aussi, qui vont avoir des contenus différents, comme il y a eu l'aquarelle, il y a eu les grands maîtres. Là, le prochain qui va sortir, ça va être la peinture sur le motif. C'est le prochain cours qui va être accessible à l'achat. Tous ces cours-là sont extraits de la formation La peinture, c'est facile. Donc, il y a des cours que, qui n'étaient pas, on va dire, comme prévu d'être complétés, mais de temps en temps, je rajoute quand même quelque chose dedans, parce que ça manquerait sinon s'il n'était pas là. Par exemple, je prends un exemple,
Dans le cours de dessin, d'ailleurs, on en a parlé hier, je pense. Dans le cours de dessin, je montre à un moment donné, paraît-il, je m'en souviens plus. Écoutez, ça fait tellement longtemps que j'ai fait des tournages, là, des montages de cours. Je montre comment utiliser. Non, je montre pas comment l'utiliser, mais je montre à un moment donné le diviseur proportionnel. C'est un petit outil en plastique, là, accuracy. Que je montre, je sais pas comment, qu'est-ce que je montre dans la vidéo, dans le cours de dessin, je sais pas de cet outil là qu'est-ce que je montre, mais par contre je sais que dans le cours de portrait je montre vraiment comment l'utiliser, c'est-à-dire parce que c'est tout en anglais, hein, le mode d'emploi quand vous l'achetez. Alors là je montre vraiment comment utiliser les trous dans la baguette là. Et alors je me suis dit bon ben alors si j'en parle dans le cours de dessin, il faudrait que je fasse une petite vidéo juste pour montrer comment l'utiliser comme le mode d'emploi. Et je vais le rajouter dans le cours de dessin, vous voyez. Oui. Bon, mais des fois, ça peut arriver des choses comme ça que, je ne sais pas, moi, si dans le cours de peinture à l'huile pour débutants... Ou bien celui à spatule. Je parle de quelque chose que j'utilise, mais je n'ai pas expliqué comment trouver ce matériel ou autre. Je pourrais rajouter à ce moment-là le cours qui est dans le module, le matériel, les outils. Et donner l'accès à ce cours-là dans le cours de peinture à l'huile, vous voyez. Ça pourrait être comme ça aussi. Il peut y avoir des petits changements, des petits ajouts quand même tout le temps. L'avantage d'avoir des cours en ligne, même si vous l'achetez, il est en ligne, c'est que je vais pouvoir jouer dedans, les modifier, apporter quelque chose de plus de temps en temps, si nécessaire. Moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Une personne m'envoie un message en me disant, dans ce cours-là, vous parlez de ça, mais on ne voit pas comment on l'utilise, comment on peut s'en servir. Et ben là, je m'en suis pas aperçu que j'ai fait cette erreur là, donc je vais la ranger en mettant la vidéo nécessaire pour ça. Puis tu sais, il y a beaucoup de monde qui dit oui. Tout ça, ça prend du temps quand même, ne vous inquiétez pas, ça va venir, mais ça prend du temps, il faut le faire, il faut le tourner. En plus des autres tournages qui étaient déjà prévus, la boîte à idées, tout ça, là, c'est... Ouais. Il y en a beaucoup qui posent des questions, parfois on peut pas toutes répondre, mais là, en ce moment, on est en train de rechercher quelqu'un pour venir nous aider. Parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Hein? Oui. Puis on va déléguer un petit peu. On a commencé un peu, mais là on va continuer. On va déléguer de plus en plus. De plus en plus, parce que sinon... Là, on est en train de chercher un artiste peintre. Comme René. Qui est professeur, c'est-à-dire qui est capable de donner des cours de peinture. Qui connaît très bien les deux médiums, l'huile et l'acrylique. Qui pense comme moi. Et ça existe. Excusez-moi, je ne ris pas pour non. Parce que moi, en fait, j'ai une formation de peinture qui est relativement classique. Hein. Et les professeurs que j'ai utilisés, que j'ai employés quand on avait l'atelier, les professeurs que j'avais engagés, ben, des fois, je les écoutais parler à leurs élèves. Là, et je me disais, oui, Roger Monet, Marcel Mussy aussi. Hey, on pourrait demander à Je sais pas, c'est le problème technique ordinateur qui pourrait peut-être ne pas fonctionner. Bon. Mais je les écoutais, ils disaient la même chose que j'aurais dit moi. C'est vraiment pareil. On a les mêmes façons de fonctionner, d'enseigner. On connaît les mêmes choses. Et puis c'est quand même pas secret, c'est pas sorcier. Là, c'est ça, tu peux pas inventer d'autres manières. Par contre, un artiste peintre qui est autodidacte, qui est toujours autodidacte, qui a resté autodidacte tout le temps, qui n'a pas suivi des formations générales, ne pourra pas donner des indications comme je donne moi. Et moi, je cherche cette personne-là qui a une formation à peu près comme moi, qui va pouvoir répondre aux questions d'ordre technique dans la formation, parce que j'en ai énormément. Dans tous les cours, il y a un espace de commentaires. Faites des corrections. Sous les vidéos, les gens posent des questions et demandent, je ne sais pas moi, ben, comme les questions qu'on a eues là, auxquelles j'ai répondu aujourd'hui. Là, si on peut, je ne sais pas moi, j'ai fait un vernis brillant, je trouve qu'il est trop brillant sur mon tableau, est-ce que je pourrais mettre un vernis mat par-dessus, des choses comme ça. La personne serait capable de répondre pareil que moi. Ben, on cherche cette personne-là. Ah ben, on lance ça. Donc, j'ai engagé une compagnie pour trouver la perle rare. Mais en plus, cette personne, je voudrais qu'elle puisse m'aider dans les demandes de correction. C'est-à-dire, il faudrait qu'elle soit très habile à l'ordinateur. Ben, déjà, pour pouvoir répondre à toutes les questions, il faudra qu'elle le fasse sur l'ordinateur aussi. Très habile avec l'ordinateur. Si possible avec Corel Painter, une tablette graphique, mais là je suis capable de donner une formation vidéo à cette personne-là pour Corel Painter et pour la tablette graphique et aussi un enregistreur vidéo d'écran d'ordinateur pour enregistrer les corrections, tout ça. Et cette personne-là m'aiderait à faire les corrections aussi parce qu'il y en a tellement que j'arrive plus à fournir, le délai est toujours d'une semaine d'attente avant que je puisse répondre à toutes les corrections. Donc, voilà, tout ça fait que ben, on grossit, ça grossit énormément. Là, vous êtes rendu 2300 membres en ligne, de la formation en ligne, c'est énorme. Hein? 2300 personnes, quand ils te posent des questions, là,
On veut être vite, mais... Après ça, il y a aussi des questions auxquelles je suis obligé de répondre de la manière suivante. Oui, vous trouverez la réponse dans cette vidéo. Voilà. C'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont poser des questions avant même d'avoir été voir si ça n'y était pas dans la formation. Si vous êtes abonné à la formation, vous avez une question, tapez-la dans l'outil de recherche en haut. Je suis sûr que vous avez la réponse déjà dans une vidéo. C'est ça. Mais là, ça m'évitera de faire un message pour vous dire, ben, je dois aller chercher le lien de la vidéo pour vous l'envoyer, vous dire c'est là. Ça, j'y réponds là-dedans, tu sais. C'est ça. Donc, vous posez des questions auxquelles j'ai déjà répondu. C'est un petit peu le problème. Alors, ça fait des centaines de questions par jour. Hein. Ouf. C'est ça, on répond. On a chacun notre... Qu'est-ce qu'on fait là, dans une journée? Mais... Linda répond tout ce qu'elle peut, tout ce qu'elle ne peut pas. Moi, c'est, j'y réponds après. Voilà, je mets des petits drapeaux. Je prends, elle me met des drapeaux rouges. Je sais, mais j'aime mieux que René explique. Oui, il connaît plus. Elle dégrossit le travail. T'sais, si par exemple, quelqu'un qui a oublié son mot de passe, ben, elle va pouvoir lui envoyer tout ça, des choses comme ça. Mais... Je ne suis pas bonne comme lui, là, mais quand même, j'en sais quand même un petit. De plus en plus, je m'habitue à la formation. Là, parce que... À force de m'écouter parler, ouais. C'est comme vous, hein, vous devez petit à petit en savoir de plus en plus et être de plus en plus autonome aussi, c'est ça le but. Hein. Oui, oui. Et puis, mais tu sais, tu demandais quelqu'un, mais clone-toi. On va avoir deux René. Un qui va rester avec moi, puis l'autre va travailler 24 sur 24. Le clonage, pourquoi pas, on va essayer ça. Je vais commencer par me faire un autoportrait, voir si je me plais. Oui, 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 oui. Ça ira dans le cours de portrait quand j'aurai le temps de le faire. Le temps, hein? Il y a combien d'heures dans une journée? 48. Ça serait bien, hein? On serait fatigué, on aurait les yeux ici. C'est fini les questions? Oui, tout est fini, fini pour aujourd'hui. Bon, enfin, on va pouvoir se reposer. On va se baigner. Mais on va se baigner après. On va faire de la... Et notre eau, là, est à 32 degrés. Mais le soir, quand on se baigne, là, elle est vraiment bonne. Hein? Ouais, aujourd'hui, donc lundi, mon travail, ça va être de faire des scripts. Je vais écrire tous les scripts de tournage de toute la semaine. Et demain, je commence les tournages, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ça faisait pour Linda, montage, lundi, mardi, mercredi. C'est ça. Mais j'aime ça. Mais vous savez, là, il vous parle à vous, là, mais c'est comme s'il parlerait de ça une fois. Oui. Il est la même chose. Quand il fait le faux, il fait n'importe quoi, il parle. Ma fille a dit, maman, il parle. Je dis, non, il se parle à lui-même. C'est la concentration. Elle dit, les hommes intelligents, non, c'est ceux qui se parlent. Non, mais admettons, des fois, je prends une mesure, je dis, bon, ben, 12 par 24, je fais autre chose, 12 par 24, je ne veux pas l'oublier, ma mesure. Alors, 12 de haut, 24 dollars, 12 de 24, je fais autre chose pendant ce temps-là, je lui dis, comme ça me reste, et après, je vais pouvoir l'appliquer à ce que j'avais besoin. Je ne parle pas tout seul comme un fou, là. Mais là, demain, on va faire une autre vidéo demain pour vous gâter, et on va vous montrer notre four. Hein? Là, on a montré les pizzas aujourd'hui. Oui. Demain, on va montrer le four, comment qu'il est. OK. D'accord? OK, c'est bon. Fait qu'on vous souhaite une belle journée, malgré que vous, c'est quand même pas mal tout avancé, mais une belle journée pour ceux qui sont au Canada. Oui, là. Le temps que la vidéo soit rendue sur YouTube, on ne sait pas quelle heure il va être. Pour c'est certains, ça va être demain matin de bonne heure, pour certains, ça va être ce soir tard. Peut-être ce soir tard, là. On va voir un petit peu comment se conduisent nos ordinateurs aussi. Mm-hmm. Et puis donc, on se retrouve demain, c'est ça tu dis, demain? Oui, oui. Moi, je vais dire oui. Parce que si on n'est pas là demain, là, chicanez-moi. Si on n'est pas là demain, disputez-moi. On sera là un autre jour. Non. Demain, on est là. Ah oui? Oui. OK, bon. Ben. C'est la femme qui mène pour ça. Non. Il dit ce que femme veut, Dieu le veut. Oui. Hein? Mais un des 11 commandements. C'est quoi? Ben, c'est 10. Ils sont 10. Non, mais le 11e, c'est que tu dois obéir à ta femme. Ah ouais. On va essayer de l'appliquer, mais je ne suis pas certain. Ah oui. Fait que bye-bye, puis à demain. Portez-vous bien, soyez en santé, puis on se retrouve donc demain. Demain. Bye. Bye-bye. Bisous.